Bonjour, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, parce que moi je vais très bien. Je dis bonjour à tous les abonnés, comme d'habitude, et une petite bonne année aussi, au cas, voilà, pour les nouveaux abonnés. Je signale toujours aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, je vais parler d'un nouvel album que j'ai récupéré, donc c'est pas vraiment un nouvel album, c'est un best-of de 2001, qui a été réédité en 2018. Là, pour une fois, ce qui est génial, c'est que c'est marqué. Voilà. Alors, si je vous dis le chanteur, Chris Rea. Regardez ce beau vinyle. Moi, j'aurais préféré plus avec sa guitare Fender rouge. Voilà. Parce que là, ils n'ont pas mis la Fender rouge. Hein. Ils ont mis celle-ci, je ne sais pas pourquoi. Parce que normalement, Chris Rea est avec une Fender rouge. Voilà. C'est ce que j'ai beaucoup remarqué, même avec, le chanteur Darren Swains, donc c'est pas un chanteur, c'est vraiment quasiment un groupe là, et là c'est Chris Rea. Alors lui, il est en Fender rouge à la base, mais là bon. Alors, double album, mais vous allez voir quelque chose de très étrange, c'est qu'ici, vous pouvez pas mettre disque. Donc les deux disques qui sont ici, hein, voilà, ils sont de ce côté-là. Alors, disques qui sont noirs, avec un macaron bleu. Donc, je vais vous faire sortir. Voilà. Hop. Voilà, le vinyle 1. Et le vinyle 2. Voilà. Voilà. Macaron bleu. Hein. Donc, tout simplement, bon, la compagnie, c'est pas grave, je suis pas là pour regarder les compagnies. Moi, je peux vous donner l'information que, tout simplement, c'est un double vinyle avec ses meilleures chansons de Chris Rea. Parce que, alors, pour information, moi, j'avais déjà Chris Rea en CD, c'était en 96, je crois, 92, 96, voilà. Je l'avais en CD et j'aimais beaucoup sa musique parce que sa musique, j'aimais énormément. Et j'ai décidé de prendre ça et ça fait hyper longtemps que je le voulais. Donc ça tombait bien, je suis tombé dessus, donc bien sûr, voilà. Les meilleurs titres, bien sûr, tous ces meilleurs titres, tout ça, parce que c'est un best-of, hein. Une belle, très belle guitare électrique bleue qu'ils ont mis, mais bon, comme je vous explique, hein, je vous ai jamais vu jouer avec une guitare bleue. Je l'ai toujours vu avec une guitare Fender rouge, parce que lui joue avec la Fender, guitare vraiment très célèbre qui coûte aujourd'hui dans les pas loin de 2000 euros, hein, pas loin de 2000 euros. Je parle d'une Fender électrique, je ne parle pas d'une guitare basse Fender qui est un tout petit peu moins chère, on ne sait même pas pourquoi, en plus parce qu'il y a moins de cordes peut-être. Et voilà, bref, pour moi c'est ce que j'étais. Alors j'avais commandé avec Doc Génico. Voilà, mais c'est venu séparé. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans la même Fnac. Donc voilà, ils ont préféré faire comme ça. Ils disent à court d'approvisionnement, mais bon, voilà, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et voilà, donc je risque d'avoir deux vinyles qui vont pas tarder à arriver. Il y en a deux qui vont pas tarder à arriver. Il y a Kaoma de la Lombada. Et Chico et Roberta en maxi 45 tours qui vont venir tous les deux. Donc c'est des morceaux que j'ai pas, sauf Kaoma sur tout simplement tout ce qui est musique de fête. Mais moi, j'ai besoin de ça en appart en vinyle. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc voilà ce que je voulais vous signaler quand même. Hein, c'est important de vous faire présenter mes vinyles, fur et à mesure. Maintenant, je vous en présente énormément. Et aussi, bon, comme je vous ai expliqué, je commande un peu moins de disques parce que j'attaque quelque chose qui est beaucoup plus important. C'est tout simplement le matériel pour l'association
Donc ça y est, les micros, tout ça, je les aurai cette semaine qui vont arriver. Ils sont en cours d'approvisionnement juste pour les cordons de 10 mètres, parce que j'en ai commandé 5 pour 10 mètres, pour éviter, c'est pour essayer de... Voilà, vous savez très bien dans les spectacles ce que ça... Alors, pourquoi je ne prends pas deux micros sans fil? Parce que je ne veux pas pour l'instant utiliser. J'en utiliserai bien sûr, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Comme je vais commander des guitares électriques, certaines guitares électriques, ben je vais commander peut-être soit un Marshall ou soit Fender, mais en restant dans les, je crois, 100 watts. Hein, je vais aller être dans les 100 watts. 100 watts parce qu'après le reste c'est pour les spectacles, vous inquiétez pas, ça va être autre chose, il y aura des enceintes, tout ça qui vont être reliées, tout, bon, vous savez comment ça se passe dans le domaine spectacle, donc c'est tout simple, hein, voilà, on aura les gros, je vais essayer de commander aussi les pédales de wah-wah, je vais en commander au moins 4-5 hein, pour être tranquille, parce que les pédales de wah-wah il y en a plusieurs sortes, hein, donc voilà pour ces petites informations comme ça, hein, ces petites informations en plus pour vous dire, voilà, parce que dès que j'aurai le matériel, je vais vous faire une vidéo sur, pas sur le déballage, parce que un petit boxing, mais pas un gros, hein, parce que je vais vous faire montrer juste un seul, par exemple pour le pied des micros, je vous en ouvre un, bien sûr je le recocherai, je scotcherai. Pour le micro, bah, je vais en faire présenter un aussi. Et après, bon, bien sûr, moi, je vais les tous les tester avec le matériel qui est ici pour voir s'il fonctionne très bien, s'il a un bon son, s'il est parfait. S'il est... Parce que vous savez, dès que c'est en panne, on est obligé de renvoyer au fournisseur. Donc, à la base, il n'y a pas de souci. Donc, les micros, je les mettrai à part. Je mettrai ça fur et à mesure bien rangé dans un carton. Si je reçois avec un carton, ben je le laisse comme il est dans le carton. Simplement, j'ouvre le carton proprement pour qu'on puisse mettre ça tranquillement dans la cave, parce que je le mets à la cave. Et à partir de la cave, ben je mettrai tout fur et à mesure. Ben voilà, tout simplement, c'est ce que je voulais vous faire. Je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Hein, je vous fais à plus. À la prochaine vidéo, cette vidéo, ben, voilà, vinyle, Chris Rea. Salut.